Le nouveau kamikaze du karaté mondial est arrivé, Christophe Pina, un combattant toujours branché sur 100 000 volts. Il a transformé cet art martial en ballet et sa vitesse d'exécution est si impressionnante que personne ne peut résister à ce nouvel ouragan des tatamis. Quand sa jambe d'une précision diabolique touche, c'est une catapulte même pour les plus grands. Pina, c'est Bruce Lee grand format. Christophe Pina, c'est lui. Pour le reconnaître facile, il est en blanc sur votre écran. Non, ça c'est pour rire. Plus sérieusement, Christophe Pina, le voici. À 25 ans, il est considéré comme le meilleur karatéka actuel. Pina, la tête et les jambes. Les médias le surnomment le niçois volant, ses adversaires le français frappant. Vous avez compris pourquoi. Une gueule qui plaît et qui rassemble en dehors et sur les tatamis. Pina, c'est un style qui fait la différence. Comme hier, en finale des mi-lourds, où Christophe s'est imposé à Lille dans ses 7e internationaux de France.